Mesdames et messieurs, tout fanatique TV la caillou, encore une fois, nous comptons avec vous pour nous porter vidéo d'information ça pour vous. N'ab dit merci à Xila jusqu'à présent qui continue abonner avec canal ça. N'ab dit merci pour choix et n'ab félicite parce que vous faites un meilleur choix le fait que vous choisissez suivre TV la caillou pour informer sur tout ça qui a passé dans le pays et dans le monde là. Haïti, surtout dans le moment où on a parlé à la, eh bien, dossier assassinat président Jovenel Moïse continue à prendre échelle. Eh bien, divers assassins en bas code, le cas de Palacios à Kodov Dja, eh bien, qui la police dominicaine t'a fouqué. Et c'est un véritable complice dans l'assassinat ça. Et c'est un nègre qui t'a financé. Colombien yo, et bien, pral fort en des déclarations. Palacios lui-même tout qui parlait, et Palacios dit en pile causé, nous pral fort qu'on est comme un président Jovenel Moïse. Est-ce que c'est Palacios qui tire, ou bien est-ce que c'est Palacios qui Jovenel Moïse? Tout en réponse à yo, et bien, ou pral jeune en dedans. Et vidéo ça même, et c'est pour ça n'abdou, et restez abonné avec canal ça, et c'est là pour jeune toute information qu'il faut n'abtourner. Et animateur Scoop FM, non, faut nous dire ça. Et Gary Pierre-Paul, nous connaissons toujours branché, nous saluons également, mesdames et messieurs, eh bien, dans le cas, World of Dja, faux Dieu, eh bien, nous apprenons question, la police dominicaine, nous te dit, il y a trois noms, yon dans le monde qui finance la mort président Jovenel, eh bien, pendant que nous parlons là, j'ai une arrestation directement par service intelligence dominicain, et dans ce sens, nous avons dit bravo. Mais au-delà de ça, mesdames et messieurs, nous gagnons extrait audio pour vous, et côté que justement, c'est Antonio Palacios, et qui parlait, monsieur dit en pile causé, et évidemment, il parlait en espagnol, mais nous, il y a une traduction qui fait, et après monsieur Pierre, Richard et Midi, c'est lui-même qui fait traduction officielle. Et nous pourrons le permettre autant de qui ça Palacios t'a dit. Mais d'après ça que vient de nous, Palacios, a bien avocat Palacios, et demandé pour Palacios déclarer non coupable. C'est ça que et Palacios pourrons déclarer et très bientôt. Mais avant ça, bon nous permet autant de audio, parce que c'est grand pile bagaille ou pas le temps de mais attention. Pas oublier, mais c'est ça, c'est criminel, c'est assassin, il y a une expertise. Jean qu'on parle, yo même Jean, c'est comme ça yo respire. Bay menti, voler, fait tout bagay, c'est ça yo fait dans toute vie yo. C'est une raison qui fait que nous mander et nous exiger et nous espérer, c'est ça qui fait déjà pour que monsieur ça passe sous détecteur de mensonge. Sous détecteur de mensonge, ça veut dire que ça y a dit là ou pas gain preuve ni moi-même nous-même que c'est vérité. Mais attention, on nous permet tout temps d'audio, puis n'a pas excusé nous quand même parce que c'est en espagnol puis c'est un citoyen fait traduction en français. Pour les gens qui ne parlent pas français, même qu'on est ça, c'est nous, mesdames et messieurs. N'a pas compris notre bail quand même. Donc, bon, nous permet tout le temps d'être et audio à l'instant même. Jean nous dit, eh bien, c'est en traduction de Pierre Richard Midi. Et n'a pas dit, merci, merci beaucoup, frère. Et en autant de audio. Ce qui s'est passé. Je suis un fugitif de la justice ici. Car ici en Haïti, il n'y a aucune garantie de rien. Ici, la police est toute foutue. Tout est foutu ici, il n'y a rien. C'est un no man's land. Donc, j'ai été sauvé par ma couleur de peau. Je suis caché dans certains endroits toute la journée. Je dors à peine. Je suis très inquiet pour ma vie. Je veux que vous en parliez avec des personnes de confiance. Avec mon général des forces militaires de l'armée, la police, le ministre de la Défense et le président. Je demande votre aide. J'ai besoin d'aller jusqu'au bout, de voir si je peux y arriver avec des garanties. Parler avec des garanties, pas sans garantie. Je n'ai pas l'intention de me rendre non plus. Si je dois sauter à la mer, je vais me jeter. Ils nous ont conduits de l'hôtel la nuit dans une autre maison d'un homme d'origine chilienne. Là, ils nous ont parlé d'une autre mission, d'aller capturer l'homme, que nous allions être là jusqu'à ce qu'il parte. Nous étions, puis trois jours, le jeudi, soir à l'aube, nous avons commencé à faire le travail. Nous sommes arrivés, ils ont organisé la première équipe avec Don Manuel Grosso, Don Rivera, German, et les citoyens haïtiano-américains.
Il y avait une deuxième équipe. Dans la deuxième équipe, nous allions entrer dans la pièce. Et dans la troisième voiture, il y avait mon équipe. La deuxième équipe était dans la deuxième voiture. Leur mission était de neutraliser les policiers. James Solage est arrivé et a commencé avec un mégaphone pour parler de l'opération de la DIA. Nous avons commencé à entrer. Monsieur Blanquisset est arrivé à la porte. Le sergent Edwin Blanquisset, il a grimpé une échelle à travers le portail, mais la porte avait été laissée ouverte parce qu'il y avait des gens de la sécurité du président qui étaient désorganisés. Ils étaient désorganisés là. Eh bien, il y avait des rafales de mitrailleuses. À l'intérieur, nous avons fait quelques coups de feu aussi. Nous avons franchi la porte parce que la porte était ouverte. Nous sommes entrés. Quand nous sommes entrés, ceux qui tiraient avec la mitrailleuse ont grimpé sur un mur et se sont enfuis. Je suis resté en cherchant une chambre au premier étage. Quand nous sommes montés à gauche, il y avait une grande pièce, un vestiaire, avec un dressing à droite. Il y avait une pièce avec des vêtements et j'ai pris la pièce à gauche. J'ai appelé le groupe et j'ai dit, bien sûr, on va vérifier, comme l'homme n'était pas là. Alors, nous sommes allés vérifier une autre pièce, il n'y avait rien là-bas. Il y avait une salle de bain, il n'y avait rien là-bas. Nous sommes revenus dans l'autre pièce. Le président était dans l'autre pièce principale. Le commando Yepes était là, mon premier Romero, le commando Pipe et d'autres commandos de l'autre équipe, de la deuxième équipe. On a dit, où est l'homme? Il est là, allongé là avec la dame. Il y avait l'homme, ils ont dit qu'ils étaient morts. Et ils étaient morts. Alors, ils ont commencé à chercher. Il leur avait dit de chercher et du matériel électronique. Ils ont commencé à les chercher. Là, nous avons entendu l'ordre qu'il devait partir, que tout avait mal tourné. Nous sommes arrivés et avons pris ce que nous pouvions et sommes partis. Quand nous sommes sortis, il y avait James, désespéré, que tout avait mal tourné, et que Dimitri l'a dit, Don Manuel et Don Mike, Don Rivera, que Dimitri, je ne sais pas ce qu'il avait avec Dimitri. Puis l'homme est venu là-bas, je lui ai dit que l'homme est mort. Nous avons commencé à sortir dans deux voitures. Ceux qui étaient devant ont neutralisé des policiers qui se trouvaient sur une colline. Nous avons porté leur arme, puis nous sommes partis sans les attacher. Les policiers siguieron con nosotros sin amarrarlos, sino eran tres. Au bout d'un moment, une autre patrouille est arrivée. Les hommes sont arrivés, rien ne s'est passé. Puis ils sont partis et nous avons continué à nous déplacer. Quand nous arrivions près du Grand Parc, il y avait un barrage de la police qui était là. De là, deux voitures nous ont dépassés et ils ne nous ont pas laissé passer. M. James et M. Blanco ont commencé à dire qu'ils étaient de la DEA. Ils nous ont bloqués là. Ils sont restés dans cette position toute la journée. Ils ont appelé tout le monde, un certain Arcangel, M. Antonio, Tony. Ils ont appelé beaucoup d'autres personnes pour les sortir de là et rien. Vers les 5 heures de l'après-midi, 4 à 5 heures de l'après-midi, le chef de la police a annoncé une opération contre nous. Ils avaient des francs-tireurs placés d'en haut. Nous étions dans une maison fermée à clé. Derrière nous, il y avait des escaliers, ils montaient, mais il y avait un mur pour pouvoir sauter. Et à peine que l'un d'entre nous a bougé, ils nous ont tiré dessus. Ils ont tout endommagé, les fenêtres de la maison, en nous tirant dessus. Ils ne nous laissaient pas respirer, ils ne nous ont jamais dit de nous rendre. Maintenant oui, les autres policiers sont venus avec tout pour nous massacrer. Mais ce n'était pas le cas dans la maison du président. Ils nous ont massacrés. Dans la maison, ils ont tué M. Romero avec une grenade à main. Ils l'ont lancé sur lui. Elle est tombée sur lui, il est mort. Ils ont également blessé M. Manuel. L'homme a été laissé là.
Il a dit, partez les gars. Monsieur Rivera est sorti avec deux autres commandos. C'est-à-dire qu'il se déplaçait avec les commandos. Nous avons dit avec lui. Naïsser a dit non, on ne peut pas se rendre. On est monté dans les escaliers et nous avons subi d'autres tirs. Moi, je me suis jeté dans un trou, je me suis couvert avec un carton. Je suis resté couvert là jusqu'à ce qu'il fasse nuit. Je pouvais à peine bouger parce qu'ils avaient continué à tirer, à tirer. Si je bougeais, ils m'auraient tué. Et M. Manuel nous a dit, ne tirez pas sur les policiers, car les choses se compliqueront pour nous si nous tuons un policier. On n'a jamais tiré, on les a épargnés. Ils ne nous ont pas épargnés. Ils nous ont criblés. Nous étions à court de munitions et les coups que nous tirions étaient juste en l'air ou sur les murs. Quand je suis parti, il était 7 à 8 heures. Il faisait noir. Je suis sorti en douceur. J'ai remonté un ravin, pas les escaliers, j'ai remonté un ravin, j'ai enlevé mon gilet, je suis allé me coucher un moment, et c'est là que j'ai entendu un cri de Manuel qui voulait de l'aide. Quand boum, les messieurs qui étaient sur la route ont bougé, ils sont montés boum et ils lui ont tiré dessus, ils l'ont tué. Ils n'ont pas épargné. Et bon, je suis resté seul. J'étais le dernier. J'ai été seul. J'ai escaladé le mur. Je me suis jeté sur la route. J'ai pris la main gauche. Je suis passé par là jusqu'à un trou pour me reposer. Genre 8 heures du soir, je suis parti. Je suis retourné du côté droit. Et rien. De ce côté, la police est très proche et rien. Ils m'ont presque rattrapé. Je suis revenu encore à ce point où je me cachais avant. Je suis entré et là, à 5 heures du matin, je suis allé à l'autoroute. Je suis resté là aéré, tournant sur cette route jusqu'à 6h30. Un homme est passé à moto avec un homme chauve. J'ai mis ma main sur lui. Ils m'ont fait monter. Je suis passé près du barrage. Ils ne m'ont pas reconnu. Et je me suis mis à marcher. J'ai rencontré un homme qui parle espagnol, un Américain, et je lui ai dit de m'aider. Aidez-moi, ils vont me tuer. Emmenez-moi où vous voyez que c'est sûr. Il m'a emmené là-bas, dans une maison où il y avait une dame. La dame m'a protégé là-bas. Parfois, je dois parcourir dans les montagnes la nuit et je sors de la maison. Mais j'ai été là, à l'abri. Donc, j'ai besoin d'aide. Et c'est urgent, très urgent. Ma vie est en danger ici. Je ne vais pas me rendre. Non, je ne vais pas me jeter à la mer. Je ne sais pas, mais je ne me rends pas dans ce pays sans garantie. Ils nous ont tous trompés qui sont venus de Colombie. Nous avons été trompés. On nous a rassemblés comme des enfants à qui on donnait des bonbons. Nous étions heureux parce que c'était une bonne offre d'emploi, parce que le paiement était de 2 700 $. Alors c'était une offre d'emploi, nous ne sommes pas venus en tant que mercenaires pour tuer personne, nous sommes venus travailler pour travailler à la sécurité. C'est la seule chose que nous savons faire, la seule chose que nous connaissons, et la sécurité, nous les commandos colombiens. Ils ont capturé nos compagnons, ils n'ont rien rendu. Ils les ont fait exploser, ils n'ont rien, ils n'ont accès à rien là-bas dans cette prison où ils envisagent de les mettre dans les prisons où se trouvent des méchants. Je préfère mourir que de me rendre. Concernant l'assassinat du président, je ne sais pas qui l'a tué. Je vous l'ai dit du fond du cœur. Je vous l'ai dit du fond du cœur pour ma famille, mes enfants. Je ne sais pas qui l'a tué parce que quand je suis arrivé à la pièce, Yepes et les commandos étaient déjà là. Romero et d'autres commandos, Pipe, étaient déjà dans la pièce avec lui. Ils lui ont demandé. Ils sont morts. Maintenant, eux, ils sont là, en prison, essayant de sauver leur peau. Ils blâment ceux qui sont morts. Ils espèrent sauver leur peau là-bas, au détriment de ceux d'entre nous qui ne sont pas prisonniers. Voilà, et mesdames, messieurs, pour même qui a à peine branché, eh bien, audio, ça que nous t'attendons là, c'est dans le cadre d'Antonio Palacio qui t'a déparlé. Et nous sommes capables de comprendre que, mesdames, messieurs, et bon, ici, il n'y a pas de petit monde petit encore, ok? Pas de petit monde petit, nous-mêmes, et pas de parler en pile. N'a demandé et faut monsieur passer dans détecteur de mensonges parce qu'on capable voir ça l'a dit là même un petit monde 4 en 5 ans là ba menti ou quand on voit ça OK et m'pas dit tout ça le dit c'est menti non
et gen pile bagaille di ouais qui semble gen place mais évidemment et sou garder bien en conversation là ba ou capable aller vers Léon Charles directement parce que juste en tout cas mesdames messieurs n'a quitté la justice fait travail mais c'est sûr certain nous même moi même ouais après audio ça moi même personnellement moun que m'a demandé population ouais c'est Jimmy Nix qui dit le même m'a demandé population pour yo prendre Dimitri Ral al chercher Dimitri Ral côté lien l'elfine parler prend Dimitri Ral mettez sous champ de masse même prend caoutchouc prend n'importe 10 caoutchouc mettez la tête Dimitri Ral James Solage haïtien ça yo qui vend président Jovenel Moïse mettez yo pas gain l'autre justice pour yo prend yo mettez sous champ de masse là même mettez caoutchouc sur yo et n'a attendé dans conversation monsieur dit porte là t'est ouvert porte caï président Jovenel là t'est ouvert bon ça pas étonné nous mesdames monsieur Jean nous dit parce que son complot parce que même policier yo et policier ça qui était techniquement qui était de bal support qui était de sécuriser le pas fait donc c'est important mesdames monsieur et avec info ça Jean nous dit et nous pas courir quoi ça monsieur dit ça Antonio Palacio dit mais l'essentiel faut lui parler et lui dit faut qu'il y ait garantie. Faut qu'il y ait garantie, nous t'entendons tout ça. Monsieur, ça va pas parler comme ça. Yo même y a cherché des garanties. Pour avoir des garanties, yo prêt à dire n'importe quoi. Mais n'empêche, Jean nous dit, je dis à la guerre une victime et monde sa victime non, c'est pays d'Haïti, c'est nous mêmes peuple haïtien et c'est le président de la République. Et oui là. Et là, Jimmy et Jean que nous cap, est-ce que nous cap dire heureusement et par la société sauvée parce que je dis à du fait que par la société sauvée qu'on y a allé dans mer hier. Ça veut dire que le dossier avance, contrairement à les mercenaires, les soldats qui sont dans la pénitentiaire actuellement là, que la justice haïtienne n'a jamais entendu.